les énergies de septembre 2023. Nous avons suivi et observé vos progrès sur la planète Terre et nous sommes heureux de vous dire que vous êtes prêts pour les énergies de septembre qui viendront de nous et d'autres points de la galaxie et de l'univers. Les énergies de septembre ont pour but d'accueillir le changement pour vous tous. Elles vous préparent au changement. Elles vous aident à vous défaire de vos attachements et elles vous aident à faire la transition entre la vie sur la planète Terre et ce vers quoi vous vous dirigez à mesure que vous achevez le changement de conscience. L'achèvement de ce changement sera encore assez éloigné de l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Cependant, vous verrez que beaucoup de changements se produiront d'ici là et vous aurez besoin de toute l'aide et de tout le soutien que vous pourrez obtenir pour intégrer ces changements et vous sentir à l'aise au milieu d'eux. Vous savez maintenant qu'il y aura des changements dans les différents systèmes que vous avez sur Terre et ils peuvent se dérouler sans problème si c'est le calendrier que vous choisissez pour vous en tant qu'individu. Vous n'avez pas à vous préoccuper de ce que les autres choisissent. Vous n'avez pas non plus à vous inquiéter des grandes catastrophes naturelles qui engloutissent de vastes étendues de terre et de populations. Vous pouvez vous débarrasser de vos peurs de l'Atlantide et de la Lémurie et vous pouvez reconnaître que vous faites partie du collectif qui s'éveille massivement. Ces réveils se poursuivent. Et vous êtes tous là pour y participer, pour aider les autres qui vivent leurs expériences de réveil et pour partager vos propres expériences avec les autres afin que les leurs leur paraissent plus normales. Afin de recevoir et d'embrasser pleinement les énergies de septembre, vous pouvez vous poser la question suivante. À quoi est-ce que je m'accroche encore ? Qu'est-ce qui me tient à cœur de rester tel que c'est en ce moment? Et sachez que tout se transforme, même vos corps physiques, et en embrassant le changement d'une base carbone à une base cristalline, vous ressentirez la légèreté d'être que vous voulez aussi ressentir en tant qu'humain physique. Rappelez-vous que c'est le moment où vous vouliez vous incarner sur Terre et que vous vouliez être à la pointe de cette évolution de conscience. Et c'est là que vous vous trouvez en ce moment, alors que certains d'entre vous pensent même à créer des nouveaux systèmes dont vous disposerez. Rappelez-vous que vous allez toujours vers quelque chose de meilleur et jamais vers quelque chose de pire, et que vous pouvez faire de cette période de transition une période remplie de joie et de facilité, en vous libérant de vos peurs et de vos angoisses. C'est également une bonne idée pour vous de laisser tomber vos attachements concernant la manière dont le changement se produira, le moment où il se produira et qui pourra aller dans la cinquième dimension. L'expérience ultime que vous vivez en ce moment est en train de vous transformer et de vous changer et tout ce qui est à l'extérieur de vous doit refléter et reflétera cela. Vous pouvez donc vous détendre et avoir l'esprit tranquille en recevant les énergies de septembre qui vous aident à passer plus joliment au papillon que vous êtes en train de devenir en tant que collectif humain. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Merci de partager au plus grand nombre.